réclamer. Ben, l'accusation que vous tendez, ça l'a fait, il n'a pas d'accord pour travailler en Jamal. Tout le monde d'accord avec l'unité là, c'est ce que ça l'a fait pas d'accord avec sa unité là. Tu es d'accord pour venir faire foutre pas de masjid, zis salafi ban d'accord pour venir. Alors ça c'est un langage qui ou t'en lit et qui en vérité ban frère et ban soeur. Réfléchis, ouvrir ou j'ai ou vous trouver. Dans sa île Maurice là, si il y a un groupe qui en jamaat, c'est pas autre que Al-Houdawanour. Si il y a un groupe qui en jamaat, c'est pas ok Al-Houdawanour, pourtant nous gênons à. Veut dire, Alhamdulillah, Al-Houdawanour, depuis 1999 jusqu'à 2009, 10 bananes, puis traverser, moi j'ai 23 ans, moi j'ai 33 ans, nous encore sa jamaat qui où tu trouves, nous 1999 là, nous encore sa jamaat là, et nous l'augmenter pour bien, Michou Allah subhanahu wa ta'ala, si elle a les autres qui jettent là-bas, puis une vinyle blanc, je pliage, algueté, je ne casse. Si il y a un groupe qui peut vivre en Jamaat, c'est pas auquel Houdawanour n'a pas aucune organisation dans sa ville Maurice-là qui rassemblait autant de gradués depuis l'université Madina comme l'organisation Al-Houdawanour. Donc, et pour nous dire, malgré nos jeunes âges, que 10 bananes nous vivent, qui n'a pas fini là. En tant que Nissan, nous n'avons pas dit pour Allah, Alhamdulillah, mais seulement nous encore soudés, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui les garde sa muhabbat là entre nous. Et en vérité, tant que nous pouvons manhaj salaf, tant que nous poursuivons les ulama, si vous avez déclaré moi, Ali, ben normal, là-haut, ben tu peux envoyer moi. Normal, là-haut, je peux finir à aller, mais seulement quand chacun connaît qu'il y a un jahil, qui est un ban alim, nous rêver à ban alim, pas n'importe qui s'en a qui vient à cause du con crié, ou bien à cause d'une certaine éloquence, ou bien à cause qu'il est pétré de balsis et qu'il les autres n'ont pas pétrété, ou juste rentre dans ce bateau. Non, oblige à suivre ban ulama, et là ulama dans sa pays, là, dans sa monde là, et qu'il nous vise à rêver à eux. Faudrait pas ou croire qu'il s'adigne, c'est c'est un dîn qui nous trouve, elle n'a pas fait qu'on est côté poil. Non, dîn Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons un ulama, nous référons à ce que nous avons fait l'Arabie là. Nous avons fait des rois là, 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 toi qui peux faire, qui peux apprendre, ou bien n'a pas pu apprendre, ou bien personne va à l'université, toi qui peux dire ça? Pena alim dans sa mémoire, tout alim dans les gamins, tout alim s'obligé de bousser, tout seul qui ne trouvait que les rois allaient faire courbe, ils allaient être. Donc nous dire qu'en vérité, nous avons quelque chose qui s'appelle Jamad. Vivre en Jamad, c'est vivre ensemble avec Bankilo, la vérité. Mais seulement, ça n'a pas de fausse l'unité qui vous trouvez là. Il vient vers le khutba dans mon masjid, moi j'ai fait le khutba dans ce masjid, ensuite il n'a rien fait avec lui, il n'a rien fait avec moi, chacun dans sa façon, ça c'est une fausse l'unité. Mais l'unité qui est là, on peut trouver, alhamdulillah, c'est l'unité Al-Houdawanour qui vient là et il peut continuer 10 bananes. Ben, jeune qui là-bas acheté un peu comme en ligne blanc, en comparaison avec Ben qui là-bas, capable de la barbe blanc, la barbe noire dans cette figure, en comparaison avec sa bande là, ben l'a cassé. Il vit morceau, nous encore ensemble, pour bien, nous sommes Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est barakat la vérité. Ça c'est barakat la vérité, quand on prend la vérité, on pourrait se finir par Pierre Michou Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous dire, Salafi Zamevi oppose Jamad, Salafi Zut en Jamad. Mais pas ça rassemblement de n'importe qui ça là, comme elle était, comme elle n'a pas été, nous y sommes rassemblés, soi-disant pour combattre le kafir, et qui en vérité nous n'a pas pu faire non, excepté et d'y faire piliger, du monde plaisir. Nous avons un peu mal pour la matière, Cheikh Ahmed El-Najmi, il dit أما أن يكون صفا واحدا مع اختلاف العقائد وتباين الاتجاهات فهذا ما لا يرضاه لنا ربنا أبدا شيخ أحمد جيا لوينين et qu'en vérité nos aqidas différents, chacun est dans sa façon de faire, sa qualité là, sa dignité là, ça nous rend plus satisfaits, plus satisfaits avec nous. Cher Ahmad dit, ça c'est qu'on peut être l'unité, nous tous venons seul, juif qui n'est pas venir, hindou qui n'est pas venir, chrétien qui n'est pas venir, juste nous salmane
avec Avignon, mais normal avec nous, l'on avait dit, nous avons Avignon, ben qui nous postait, Cheikh Ahmed dit, inna hadihi da'wa shaytaniya, yuqsad minha ta'til al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ben qui veut dire, nous y n'y, ça c'est une da'wa satanique. Pas parole, si pas n'importe qui s'en a ça. Ahmed al-Najmi, elle va parler au lama qui fait qu'il s'adonne à l'année la même, ou bien on va faire erreur, ou bien l'année passée. Elle va parler au lama qui, dans l'époque, Cheikh Bimba, c'est considéré comme mufti dans sa région, dans son quartier. Cheikh Ahmed al-Najmi dit, sa da'wa, ça c'est pour pétan dire tout vinel, ça c'est da'wa shaytaniya, c'est une da'wa, une invitation satanique qui passe à Pédjaou, laisse tomber. Pas invite vers le bien. Arrêtez cause tawhid, arrêtez cause shirk, arrêtez cause bid'a, nous traînons, nous tout vinel seul pour qu'on ban koufar, pour opposer ban l'ennemi Allah subhanahu wa ta'ala.